Ok, salut à tous. Donc on va regarder aujourd'hui comment faire des marqueurs pour protéger son terrain contre les méchants monsieur et dames qui viennent tout casser. Je vais juste poser une petite torche pour le voilà pour l'éclairage. Merci beaucoup. Donc en fait ce qu'on a besoin c'est qu'on a besoin de crafter des marqueurs. Alors pour ça c'est super simple. C'est voyez un stick en haut, une pomme, un stick en bas et ça nous donne quatre marqueurs. Pourquoi 4? Parce qu'avant on pouvait, il fallait en mettre un à chaque coin de ce qu'on protégeait. Donc former un grand carré ou un grand rectangle avec tous les marqueurs à la même hauteur. Et à ce moment-là, on pouvait protéger cette zone-là. De nos jours, c'est un peu plus simple. Il suffit de 2 en fait. Ce sera, on peut mettre autant qu'on veut. On peut mettre 10 marqueurs si on a envie, puis faire un décagone. Ou un 2 décagones avec 12, même si ça vous fait plaisir. Mais en fait, il va prendre les deux marqueurs les plus éloignés l'un de l'autre. Et il va considérer que c'est un rectangle. Et il va protéger cette zone-là. Donc, si vous faites, si vous avez une zone complètement irrégulière, ça peut être intéressant de mettre un marqueur à chaque coin. Et à ce moment-là, vous êtes sûr de protéger l'ensemble de votre propriété. Moi, ce que je veux protéger ici, c'est juste cette petite plateforme-là. Plateforme d'observation, hein, pour voir un peu ce qu'on a en dessous. Donc, je vais en poser un dans le coin ici. Et puis, un dans le coin de l'autre côté. Ça peut être à une autre hauteur, hein. Je peux le mettre là en bas, il n'y a aucun souci. Voilà. Et là, j'ai presque déjà fini de protéger mon terrain. Après, je fais un clic droit sur le dernier que j'ai posé. Voilà. Et là, on me dit, voilà, je vais faire tout de haut en bas pour être sûr que vous n'ayez pas de soucis. Donc, cette area s'étend de tel point à tel point. Elle fait tant de mètres carrés. Ok, ici c'est 28 mètres carrés. Si vous n'avez pas les privilèges Mega Builder, je crois que c'est 1024 au maximum. Si vous avez Mega Builder, vous pouvez faire nettement plus. C'est mon cas puisque je construis des gros trucs, hein. Si jamais, si vous voulez les privilèges Mega Builder, il faut montrer que vous êtes capable, montrer en construisant des gros trucs, hein. Et il n'y a pas de souci, ça viendra tout seul. Voilà. Ensuite, il nous dit, il n'y a pas de problème, tu peux faire ton area, il sera comme ça. Tant de blocs au-dessus de 45. 45, c'est la hauteur du truc de derrière, puisqu'il est en hauteur. Il est plus haut que son copain. Donc là, ça veut dire qu'on protégerait 40 blocs au-dessus. J'en ai absolument pas besoin, j'ai protégé juste un bloc au-dessus, hein, de 45. Ce qui fait que ça nous amènera là en haut, il n'y a pas de souci. Et en dessous, là en dessous par contre, je vais juste sortir de là et vous montrer. Si vous regardez, j'ai des pieds là. Donc on va descendre de 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 6 blocs, c'est le maximum, ça sert à rien de descendre plus bas. Donc reprenons. On avait 1 et puis on met 6 blocs et 6 blocs en dessous de 43 qui est la couche où se trouve le pied, le marqueur d'en bas en fait, hein. Voilà, ensuite on entre un nom. Plateforme. Voilà. Et on appuie sur Protect Area. À ce moment-là, on protège. Et vous voyez, maintenant j'ai mon area qui est prête. Et du coup, si je vais dedans, vous voyez que le nom plateforme se rajoute dès que j'entre à l'intérieur. Voilà, et maintenant c'est intéressant, mais je me dis, ouh, bah, j'ai justement Farfadet 46 qui doit venir m'aider à construire le truc. Admettons. Mais pour ça, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un boundary marker qui est en fait donc un truc d'area, un marqueur, plus une cobblestone. C'est vraiment super bon marché, hein. Le but c'est que ça vous coûte absolument rien. Voilà, je le prends, je le pose. Alors en plus que ça fait un bloc assez joli, eh bien là-dedans je peux tout faire avec, hein. Je peux changer, je peux donner un nom à un autre joueur. Donc je peux tout à fait moi produire une area et l'offrir après à un autre joueur, par exemple qui n'a pas Mega Builder mais qui est en train de construire quelque chose de très gros. Ça m'est arrivé récemment pour quelqu'un. Enfin bon. Ensuite, on donne le numéro de l'area, on peut la renommer, on dit à qui elle appartient. Je peux aussi voir toutes mes areas que je possède actuellement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Actuellement, je possède 14, il y en a une deux qu'il faudrait que j'enlève ou que je refasse, mais ce sera en temps voulu. Ensuite, je peux donner aussi à une autre personne tout en gardant pour moi. Il n'y a pas de raison, hein. Après tout, je pourrais tout à fait offrir. Genre, j'ai dit à Farfadet 46, je vais pas le faire là parce que après, sinon je serais embêté pour l'enlever. Elle est totalement inutile, hein, cette area. Je dis à qui je vais la mettre, et puis ensuite j'appuie sur Proceed, et puis ça envoie. Ok. Ensuite, on ordonne les mêmes trucs qu'avant, donc de où à où ça part, quelle taille, quelle hauteur, et puis
Ensuite, tac, 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 tac. 2 mètres nord, 2 mètres ouest, 1 mètre est, 4 mètres sud. Ah, ça c'est par rapport au... Ok, donc ça me dit juste à quelle distance on est des bords de l'area. Vous pouvez même travailler dessus comme ça, cliquez sur My Area, et puis ensuite allons sur celle que vous voulez. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas dedans, on vous dit à quelle distance vous en êtes. Ok, et puis voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'effacer, donc delete. Et là, je dois écrire yes en majuscule, si je veux l'effacer pour de vrai. C'est une sécurité pour être sûr, parce que évidemment, je la mets à la merci des autres joueurs. Tac. Voilà, et là j'ai supprimé l'area plateforme et je suis content. Voilà. Tac. Et on enlève les petits marqueurs. Donc, si cette petite vidéo tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et si vous ne l'avez pas plu, bah tant pis pour vous. Voilà. Ciao tout le monde.